Donc ça fait depuis 10 ans déjà que je me focalise vachement sur les villes. Et à chaque fois que j'étais face à un orage en ville, bah ça me donnait un petit peu d'adrénaline, ça m'excitait plus que d'habitude en fait. Ce hasard d'Emeric qui me contacte et qui me propose de partir avec lui chasser les tornades tombait plutôt bien. Moi ça me plaisait d'ajouter cet objectif vraiment précis du timelapse pour un nouveau voyage, pour aussi renouveler ma façon d'approcher les orages. C'est vraiment différent de faire un timelapse d'un coucher de soleil en ville, de faire un timelapse d'une super cellule. C'est vraiment des approches différentes. Le bruit, la lumière, la rapidité, c'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est un peu intimidant. Oh, pas loin cela. C'est sûr que du verre. Ouais. Oh, c'était pas loin. Premier tournée de warning, mec. C'est excitant. Je suis sérieux, ça commence là. Il y avait 10% de chances de tornade. Parce que je me dis, ça y est, je vais peut-être enfin pouvoir voir ma première tornade. Une cellule qui s'annonce bien isolée sur le centre du Texas avec une instabilité très élevée. Et ça, en général, ça donne des choses assez spectaculaires. Et là, c'était la révélation, parce qu'on a vu la super cellule qui commençait à grandir. On la voit bouger à vue d'œil, quoi. Limite, c'est qu'elle va plus vite que nous en voiture. Tout de suite, on a cette ambiance très pesante qu'il y a dans ce genre de circonstances, avec aussi tous les gens qui sortent de chez eux, qui sortent des commerces pour regarder le ciel, très inquiets de ce qui peut leur arriver. Et très rapidement, tout s'accélère dans le sens où déjà la cellule commence un peu à fusionner avec une deuxième. On a des vents qui s'accélèrent, on a aussi des tornado warning qui arrivent un peu partout. Ah, contact au sol à gauche, merde. Elle est posée. Je vois ce toit en tôle qui se rapproche très rapidement et c'est là où j'appuie à fond pour partir le plus loin possible.